Depuis le 16 septembre, le photographe Max Loubert présente son exposition « Chaussures à son pied » à la Maison de la Barthe de Dax. Une exposition mettant en lumière le travail de Sébastien Thomas, l'un des meilleurs maréchal ferrants de la région. Déjà, c'est pas commun. J'avais jamais vu d'expo de photos, ni trop sur Internet. Donc, à partir de là, je dis c'est intéressant. Et puis, pour voir un peu comment c'était, j'avais jamais vu. Je lui en ai parlé. Il pouvait me caler dans une de ses tournées. Donc, on est parti. Voilà, sur une journée, on a fait ça. Et puis, quand j'ai vu le résultat le soir, ça me plaisait. Donc, on est resté là-dessus. Pour l'occasion, Sébastien Thomas était venu présenter son métier aux visiteurs de l'exposition. En effet, si beaucoup en connaissent le nom, peu savent vraiment en quoi il consiste. En fait, on enlève le vieux fer, on coupe l'excès de corne, on rajuste un fer neuf et on le fixe avec des clous. Et puis on répète ça toutes les 6 ou 8 semaines, selon le cheval, l'activité qu'il a, sa qualité de pied. J'ai plutôt l'habitude de fonctionner tout seul dans mon métier, mais bon. Max n'est pas très embêtant. Il a suivi le mouvement, puis voilà, j'avais choisi deux écuries où on avait un peu une palette de chevaux un peu différente. Et là où j'étais agréablement surprise pour quelqu'un qui est néophyte dans le cheval, à travers ces images, il a bien su montrer ce qu'était le métier en fait. Un métier mêlant passion, force et délicatesse que le photographe a souhaité retranscrire dans cette série de 35 photos, principalement en gros plan et en noir et blanc. Il y a des photos, on voit la râpe avec les morceaux de sabots, la fumée là sur certaines photos, voilà. Le coup de marteau sur le fer. Quand il coupe la corne dans le sabot, je voulais qu'on voit ça, parce que ça, on ne se rend pas compte. Alors, il y a eu des réflexions lors du vernissage de certaines personnes qui ont dit que c'est du travail d'horloger quand même. Parce que, voilà, c'est des gros outils, mais c'est de la précision. Je trouve que c'est un pari bien, bien réussi. Quand je vois l'ensemble des photos, je me dis que tout, elle représente quelque chose, ça représente vraiment le métier, quoi. L'exposition est à découvrir jusqu'au 30 octobre.